Ce matin, Théo lit des BD et Anna joue aux poupées. Max, lui, n'a pas l'air de beaucoup s'amuser. Dis, Max, tu vas bien ? Mais Max bouge à peine. Hé, viens voir ! Dit Anna. Max a l'air bizarre. Les enfants chatouillent Max, mais Max ne réagit pas. Il dévale les escaliers. Papa est tellement occupé qu'il n'écoute pas vraiment. Tiens, super, parfait. Mais Max, il va pas bien du tout, papa. Et maman n'écoute pas non plus. Elle cherche sa laitue qui a disparu. Alors les enfants se mettent à hurler. Au secours, à l'aide. Mais Max doit mourir. Papa et maman accourent. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Les parents décident de filer chez le vétérinaire. Là, beaucoup d'animaux ordinaires sont malades. Le hareng ne parle plus. Le rebond est assis tristement et Max est angoissé. Il voudrait s'enfuir, mais il est tellement mal qu'il s'endort. Ah, c'est le tour de Max. Le vétérinaire écoute le cœur, fait tirer la langue. Regarde les oreilles. Anna s'écrie. Est-ce que Max va mourir? Le vétérinaire rassure toute la famille. Mais non, tout va bien. Max a juste une indigestion de salade. Ah, c'est là qu'était passée ma laitue. Et oui, 2 jours de diète. Ah, Max en est malade.